C'est une façon de regarder la vie différemment et c'est surtout une façon de communiquer avec les autres qui est très différente. Puisque j'ai choisi d'en faire mon métier, il m'occupe au moins 18 heures par jour, donc ça vous donne déjà une indication de la place qu'il prend dans ma vie. C'est quelque chose d'assez passionnel et donc ça traverse un peu tout et ça prend souvent le pas sur un peu tout le reste. Donc c'est une place qui est fantastique et très parfois envahissante. C'est beaucoup d'émotions, c'est regarder une œuvre, c'est voir ce qu'elle évoque en vous, c'est les souvenirs qu'elle évoque en vous, c'est les sensations et ça c'est les sens même de la vie. Chacun a sa façon à soi de se retrouver en soi, de se reconcentrer, de retrouver le sel de ce qui fait votre existence personnelle. C'est un moyen de se ressourcer, de s'ouvrir l'esprit et de se ressourcer.